Le site de la Nouvelle-France est un site où on recrée la vie en colonie de Québec, première moitié du 17e siècle. Nous, l'endroit où nous sommes, le site de la Nouvelle-France, on y retrouve entre autres l'habitation de M. Champlain, le Fort Saint-Louis, la base-ville de Québec. Donc, on transporte les gens dans le temps, littéralement, à travers un village rond, à travers la Haute-Ville et la base-ville de Québec. Il y a des rencontres très colorées avec des personnages. On veut vraiment que les gens sentent que c'était comme ça à l'époque. Le site de la Nouvelle-France est né à la suite de deux tournages. En 1990, il y a eu le tournage du film « Rhum noir » et en 1992, le tournage de la télésérie « C'est à Oui ». Par la suite, des citoyens de l'endroit se sont mobilisés pour voir comment on pourrait mettre à profit ces infrastructures-là. Et puis, c'est devenu le site de la Nouvelle-France qui est en opération depuis 1994. Bonjour, moi je m'appelle Ikuyamik, je suis une montagnaise. Nous autres, après 8000 ans, on se débrouille très bien par ici pour être capable de fabriquer ou de trouver tout ce qu'on a besoin pour vivre. On est capable de fabriquer des objets en pierre, en os, en bois, en écorce, en peau. Ça, c'est une perceuse avec une pointe en pierre. On peut faire un trou dans un morceau d'os ou de bois pour préparer les outils, c'est bien pratique. J'ai ici un panier d'écorce de bouleau cousu avec des racines d'épinettes. Comme ça. Ça, c'est les racines d'épinettes. Dans ça, j'ai mes choses de couture. Les aiguilles, ce sont des os d'oiseaux. Le fil, c'est les tendons d'orignal. Ça, c'est un perçoir pour faire les trous avant de passer les coutures. Les ciseaux sont en pierre. J'ai un autre outil en os ici qui est bien pratique. C'est une herminette pour creuser l'intérieur des bols en bois qu'on utilise pour manger. Ma fille Katia pourrait vous montrer le mortier en pierre. L'endroit où nous sommes actuellement, c'est véritablement le mode de vie Huron de la grande famille iroquoienne. On parle ici d'un mode de vie semi-sédentaire. Les Hurons, entre autres, s'établissaient pour quelques années dans des villages aussi élaborés que cela. Il y avait à l'époque, on disait, des champs et des terres agricoles à perte de vue. Donc, véritablement, c'était des gens qui avaient développé cette agriculture-là avec certaines plantes qu'ils avaient domestiquées. Par exemple, la citrouille ou encore le tournesol. Le territoire originel du côté des Hurons, c'est ce qu'on appelle la baie Georgienne. Donc, c'est là où les Hurons vont habiter pendant de nombreuses années. Et au 17e siècle, après ce qu'on appelle la destruction de la Huronie au milieu du 17e siècle, les Hurons vont déménager près de Québec, un endroit qu'on connaît encore aujourd'hui, Wendake. Donc, les feux sont toujours en opération dans une maison longue. Un feu pour deux familles. Le feu qui sert à réchauffer, qui sert également aussi à préparer la nourriture, bien important. Et entre autres également aussi donc à se vêtir et à pouvoir se réchauffer correctement. Tout ce qui a rapport à la vie, c'est le travail des femmes, culture des jardins ou éducation des enfants. Tout ce qui a rapport à la mort, c'est le travail des hommes, la chasse ou la guerre. Donc, les femmes ont véritablement une présence extrêmement importante du côté du village Huron. Avant l'arrivée de Samuel de Champlain, les relations étaient quand même assez bonnes entre Hurons et Iroquois, si on parle de la grande famille iroquoienne. Cependant, lorsque les Blancs vont débarquer ici en Nouvelle-France, ils vont transposer un peu cette guerre qui existe en Europe. Ce qui fait entre autres que les Français vont s'associer aux Hurons, les Anglais aux Iroquois. Donc, dans un but de contrôle du commerce des fourrures,
les Hurons et les Iroquois vont entrer en guerre. Bon, le contexte économique avec le commerce des fourrures fait en sorte que les relations vont se détériorer un peu. Nous sommes en Basse-Ville de Québec, c'est l'endroit des gens de métier, donc on parle autant des menuisiers, des cordonniers que des forgerons. Ici en Basse-Ville, c'est l'endroit du petit peuple de Québec. Place centrale, c'est véritablement un lieu important, c'est le lieu de la vie économique, tout comme le magasin de la compagnie des Centres associés. On sait que les Européens sont venus ici en Nouvelle-France pour y pratiquer le commerce de la fourrure. Et la fourrure qui est véritablement très prisée à l'époque, c'est la fourrure de castor. Donc, elle est très, très, très populaire auprès des chapeliers français. Imaginez-vous ici, hein, au 17e siècle, il y avait des animaux, il y avait des ballots, il y avait des gens. Lorsqu'un bateau arrivait particulièrement, c'était beaucoup d'effervescence. En Haute-Ville de Québec, l'habitation de Champlain, il y a l'aspect un peu religieux avec la chapelle Notre-Dame de la Recouvrance. Là où il va y avoir un niveau de difficulté en Nouvelle-France, c'est surtout l'adaptation aux hivers. Cependant, ceci étant dit, les gens qui viennent ici sont quand même assez éloignés de la mère patrie qui est la France. Donc, ça fait en sorte qu'ils ont une certaine liberté. À l'époque, on va avoir ce qu'on appelle des 36 mois. Ce sont des jeunes hommes qui veulent venir apprendre un métier, qui sont apprentis en France, et ils vont signer un contrat de 3 ans, d'où leur surnom, avec la compagnie des Centres associés. Ces gens-là vont venir s'installer ici en colonie de Québec. Au bout de 3 ans, ils peuvent retourner du côté de la France ou rester en Nouvelle-France. Donc, ils ont le choix. D'arriver le vendredi, le samedi, la moitié de l'année, on mange du poisson. Aujourd'hui, c'est de la bonne fricassée d'anguille. Je vais mettre les galettes de pain directement dans la fricassée. Ça va venir mou, ça se mange mieux. Aussitôt qu'on sort à l'extérieur, on porte notre coiffe, on couvre nos cheveux. Ça veut dire qu'on est une bonne personne respectable. C'est bon, ça boule pas, c'est pratique, on se mouille pas. À partir de 3 ans, les enfants portent des sabots de poids. Tu veux savoir comment aider ma traversée? 4 mois! C'est tellement long! Les tempêtes en mer, ça fait des grosses vagues. Puis à l'intérieur, les gens, ils sont malades dans le navet. Oh! Sur le site de la Nouvelle-France, on retrouve une reconstitution de la deuxième habitation de Champlain construite en 1620 en Haute-Ville de Québec et nommée Fort Saint-Louis. Une habitation est un ensemble de bâtiments entourés d'une palissade. Ce fort est situé sur l'emplacement actuel du château Frontenac. On y retrouve le logis de Champlain, les cuisines du fort et le dortoir. En 1636, un château sera construit à la place du fort. À partir de 1646, ce château deviendra la résidence officielle du gouverneur de la Nouvelle-France. Le château sera détruit par les flammes en 1834. Sur ses décombres, on construira la terrasse du Frein.
Les fondations du logis de Champlain ont été retrouvées lors de fouilles archéologiques menées en 2005. Depuis 2005 maintenant, on offre un spectacle équestre du côté du site de la Nouvelle-France dans un théâtre qui peut contenir 180 personnes. Donc, un spectacle magnifique qui allie le cirque, qui allie les démonstrations équestres. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le spectacle et toujours sous la thématique Nouvelle-France. La production est assurée par le site de la Nouvelle-France pour ce qui est du spectacle, mais les gens nous viennent d'un peu partout. Le spectacle équestre se veut un peu une petite distorsion historique, parce que oui, les chevaux sont arrivés en Nouvelle-France, mais ils sont arrivés aux alentours de 1660, un petit peu après. C'est une distorsion historique qu'on a faite et qui est voulue. On garde quand même le thème Nouvelle-France, on est tout près de notre période. Notre objectif à nous, peu importe le nombre de chevaux, peu importe le nombre d'artistes, c'est d'offrir le meilleur divertissement possible pour les gens. Ce qui est très populaire ici aussi de la Nouvelle-France, c'est le spectacle équestre, les visites commentées, et on offre un forfait avec le repas du midi à notre restaurant, le 17e, où on a une nourriture, un repas qui est inspiré du 17e siècle avec des menus régionaux. Donc, ce qu'on veut, c'est d'offrir aux gens une expérience Nouvelle-France complète dans laquelle ils vont garder un bon souvenir.